L'évangile de Jean au chapitre 10. Nous lisons dans l'évangile selon Jean au chapitre 10, à partir du verset 26 à 29. La parole de Dieu. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes disciples, de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. De cette parole, nous retenons comme sujet, personne ne nous ravira de la main de Dieu. Personne ne nous ravira de la main de Dieu. Nous allons répéter ça ensemble. Personne ne nous ravira de la main de Dieu. Encore. Personne ne nous ravira de la main de Dieu. Alors pour la dernière fois, ne me ravira. Personne ne me ravira de la main de Dieu. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, ta parole est riche. Ta parole produit la foi. Ta parole éclaire l'intelligence. Ta parole est une lampe. Ta parole est une source de sagesse. Ta parole sanctifie. Ta parole produit des miracles. Ta parole reflète ta personne. Ta parole sauve. Merci Père pour ta parole. Nourris-la de toi-même, nourris-la de la grâce qui nous aide à la comprendre et surtout à la mettre en pratique. Viens remplir ces lieux de toi-même par ta parole et par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Mais ce passage qui contient cette déclaration si gracieuse et si bénissante, ce passage, dans son contexte, c'est une controverse. C'est une controverse. Ce n'était pas un enseignement de Jésus. C'était une querelle avec les Juifs. C'était une discussion âpre dont la conclusion arrive au verset 31. Vous voyez la conclusion de cette discussion. Le verset 31, nous le lisons. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Donc, Jésus vient d'annoncer de bonnes paroles que nous savourons aujourd'hui. Personne ne peut nous ravir de sa main. Et là où les hommes devraient plutôt se réjouir, danser de joie, se dire « Alléluia, maintenant nous avons un sauveur », eh bien, ils prennent les pierres pour les lapider. Et je pense que c'est important que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Dans son contexte, dans ses vérités, dans ses réalités. Parce que, voyez-vous, travailler pour Jésus est devenu très populaire au XXIe siècle. Il ne manque pas de gens qui se déclarent vouloir servir Jésus. Mais j'espère que nous n'allons pas nous retrouver tôt ou tard à pouvoir, quand on a fini d'entendre la bonne parole, on veut prendre des pierres pour lapider. Parce que c'est ce qui est arrivé. Les Juifs prirent
de nouveau des pierres pour le lapider. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le judaïsme, confronté à l'évangile, s'oppose. Entraîne qu'on prenne les pierres pour lapider ceux qui parlent comme Jésus. Comme ils ont voulu lapider Jésus lui-même. Si tu parles comme Jésus, si tu croises les Juifs, ils vont te lapider. Si tu croises ceux qui font comme les Juifs, ils vont te lapider. Pourquoi? Parce que ce que Jésus dit est impossible aux hommes. Inacceptable par les hommes. L'évangile, tel que Jésus l'a vécu et annoncé, s'oppose au judaïsme. Et nous ne deviendrons jamais plus juifs que les juifs. Si les juifs ont ramassé les pierres, après avoir entendu ce que nous venons de répéter, ils ont ramassé les pierres pour lapider Jésus, eh bien, les hommes ne seront pas plus juifs que les juifs. Les juifs n'ont vécu que de ça. D'ailleurs, un jour, l'un d'eux dira à Jésus, mais depuis mon enfance, je ne fais que ça. Depuis mon enfance, je ne fais que ça. Je ne vis que comme ça. Alors là, il y a un problème. Dans le chapitre 10, nous apprenons que celui qui n'entre pas par la porte est un voleur. Et le verset 7 de Jean 10 nous dira, je suis la porte. C'est Jésus qui parle. Celui qui n'entre pas par la porte est un voleur. Celui qui n'entre pas dans le royaume des cieux par Jésus, c'est un voleur. Alors c'est quoi un voleur dans le contexte de l'évangile? Un voleur, c'est quelqu'un qui entre dans l'église sans passer par la nouvelle naissance. C'est quelqu'un qui entre dans l'église par une autre voie que Jésus. Il entre dans l'église parce qu'il cherche des miracles. Il entre dans l'église parce que les chrétiens sont vraiment bons à faire les affaires. Ils sont honnêtes, ils ne vont pas voler. Vous savez que dans le monde, il est arrivé plusieurs fois que certaines entreprises se rendent compte qu'ils avaient affaire à un chrétien, un vrai, parce qu'un vrai chrétien n'est pas capable, je vous dis, mot à mot, n'est pas capable de voler. Il ne volera pas. Il sera là, tu lui laisses ton argent, tu le trouveras tel que tu l'as laissé, parce qu'il y a en lui une loi qui est supérieure à toutes les autres lois. Alors, quand on découvre ces gens-là, on veut les exploiter. Je vais vous dire une chose. Un païen qui a découvert une chrétienne ou une chrétienne qui a découvert ou une païenne qui a découvert un vrai chrétien voudra vivre avec lui. Ne le lâchera pas. Pourquoi? Parce qu'il peut compter sur lui. Il peut compter sur elle. Au fait, la vérité c'est quoi? Il va les sucer. Il va profiter de lui comme un moustique. Lui, elle, ne se donne pas à Dieu. Mais ce qui l'intéresse, c'est qu'il est fidèle. Elle est fidèle. En tout cas, elle se soumet à une loi qui m'est profitable. C'est comme ça, les gens de ce monde, les voleurs, qui entrent par autre part que par la porte. Ils ne sont pas nés de nouveau. La Bible dit que Jésus les connaît par leur nom. La Bible dit que Jésus
les fait sortir. Ils sortent eux aussi. Ils ne s'enferment pas comme dans un monastère. Ils sortent aussi. Ils sortent, ils vont à la société. Ils sortent, ils vont à l'entreprise. Ils sortent. Mais Jésus est devant eux. Marche devant elles, ces brebis. Et les brebis suivent Jésus, car elles connaissent sa voix. Elles connaissent la voix de Jésus. Elles ne suivront pas quelqu'un d'autre. Elles vont suivre Jésus. Nous l'avons dit, verset 7, je suis la porte. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui est la porte, il est normal qu'il soit aussi le chemin, qu'il soit aussi la vie. Qu'il est aussi la seule vérité à connaître. Quand tu la connais, c'est suffisant. Ça, c'est la première remarque que je voulais noter. La deuxième remarque, c'est dans le verset 26. Et ce verset est très grave. Je peux comprendre que ces gens-là étaient heurtés et qu'ils voulaient lapider Jésus. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. En d'autres termes, ce texte veut dire, ou ce verset veut dire, que quand on n'est pas une brebis de Jésus, quand on n'est pas né de nouveau, on est incapable de croire. Croire n'est pas humain, croire n'est pas naturel. Tu ne peux pas croire que Dieu peut faire de grandes choses dans ton cœur si tu n'es pas brebis de Jésus. Impossible. C'est impossible. On peut dire des phrases de ce genre. Moi, je crois que Dieu est tout puissant, il va faire de grandes choses. Mais croire pour du vrai est impossible quand on n'est pas brebis du Seigneur. Alors, que devons-nous faire? Et c'est là où se trouve le fond de cette méditation que je crois Dieu va utiliser pour nous bénir tous. La première chose, et j'aimerais que nous puissions relire le passage parce que c'est intéressant d'avoir parfois la pensée devant nous. Recommençons à lire à partir du verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Notons numéro 1, placer notre main dans la main de Jésus. Placer notre main dans la main de Jésus. C'est par là que ça doit commencer. Placer notre main dans la main de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est nous livrer à lui. Nos vies, nos talents, nos projets, nos corps, tout notre avenir, nous nous livrons à Jésus. Nous lui disons que nous nous donnons à lui. Tu lui dis que je me donne à toi, Jésus. Je veux vivre pour toi, Jésus. Je me donne totalement à toi. Un jour, les disciples diront à Jésus, et voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est ce que nous devons faire. Je me livre totalement à toi. Nous les chantons, n'est-ce pas? Nous livrer à lui, totalement. Et nous acceptons le salut qu'il nous donne. Mon frère, ma sœur, accepte le salut que Jésus te donne. Quand tu acceptes le salut qu'il te donne,
tu ne cherches plus. Nous avons chanté un cantique dans les rues de Kinshasa à l'époque de certaines croisades qui ont entraîné le réveil dans le pays. Je l'ai trouvé, vous pouvez le trouver. Donc j'ai trouvé le salut en Jésus. Quand tu as trouvé, tu ne cherches plus. Quand tu as trouvé le salut de Dieu, tu ne cherches plus. C'est pourquoi quand tu te donnais totalement à Jésus-Christ, en échange, il te donne le salut. Il dit lui-même, je leur donne la vie éternelle. Nous venons de le lire. Je leur donne la vie éternelle. Parce qu'ils se donnent totalement à moi, parce qu'ils placent leurs mains entre mes mains, et bien moi, en retour, je leur donne le salut. Et il continue, il dit, et ils ne périront point. Ah, nos langues pauvres. Savez-vous que le mot qui est utilisé pour point en grec, c'est un petit mot qui a condensé en lui seul 5 négations. 5 fois le mot non. Ils ne périront jamais, 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 jamais. Au fait, Jésus, nous mettons ça entre guillemets, jure que ceux qui se donnent à lui ne périront jamais. Seulement, tout ce qu'il exige, c'est qu'il faut que tu te donnes pour du vrai. Que tu te donnes honnêtement pour que les résultats prévus s'en suivent. Parce que si tu jongles, tu passes à côté. Alors, en ce moment-là, toutes les promesses que Jésus fait à ceux qui se donnent à lui tombent. Ne s'appliquent plus à toi. Sois honnête quand tu te donnes à Jésus. Sois vrai. Et quand tu acceptes le salut que Jésus te donne, même quand arrivent des jours où tout semble sombre, tout semble noir, vous ne vous sentirez plus être, hein, ou vous vous sentez peut-être ne plus être à sa, dans sa main, parce que ce sont des jours mauvais. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ces jours-là peuvent arriver à n'importe qui. C'est clair et c'est biblique. C'est vécu. Est-il arrivé un jour que tu te demandes si vraiment tu es sauvé, si Dieu est avec toi? Il y a des jours comme ça qui sont sombres, terribles. Jean-Baptiste, qui est l'un des disciples les plus consistants de la Bible, un jour, il était tellement aux abois. Il est dans la petite chambre d'être égorgé. Et il est en train d'attendre. Et les disciples, ses disciples viennent pour lui dire, patron, si ce qui est dit là-bas arrive, alors au revoir, à nous revoir dans l'éternité. Allez dire à Jésus, est-il celui qui devrait venir? Ou devons-nous en attendre quelqu'un d'autre? Parce qu'ils s'attendaient que ça ne va pas arriver. Jésus va intervenir. Mais Jésus ne semble pas être venu pour intervenir. Et c'est son cousin. C'est le fils d'Élisabeth, sa tante. C'est ça, n'est-ce pas? Hein, Marie est enceinte, elle doit aller voir Élisabeth, sa cousine. C'est ça, hein? Oui. Et les jours sont devenus noirs pour Jean-Baptiste. Donc ces jours-là peuvent arriver. Peuvent arriver. Où vous ne vous sentez plus être vraiment dans la main de Jésus parce que la sécurité ne semble pas fonctionner. Et savez-vous ce que lui te dira? Il va simplement te répéter, personne ne te ravira de ma main. Personne ne te ravira.
Quand il vient te dire au revoir, il vient et il te dit, personne ne te ravira. Quand les disciples sont arrivés chez Jésus, ils ont dit, notre maître nous a dit de vous dire, es-tu celui qui devrait venir ou devons-nous en attendre quelqu'un d'autre? Et Jésus leur dit, allez dire à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Bienheureux celui en qui je ne serai pas. Oui, un sujet de scandale. Il ne les suit pas. Il ne dit pas où se trouve sa prison. Allons-y. Par terre. Jean, tu sors. Non. Il dit, allez dire à Jean. Quand ils ont fini de les lui dire, gorge est coupée. C'était la mort. Bien-aimés, nous avons embrassé une affaire qui ne peut pas satisfaire notre intelligence. L'affaire de l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Donc, les choses dépendent de Jésus. Alors, lui, il parle. Ce n'est pas à nous de parler de notre sort quand tout ne va pas bien. Ce n'est même pas aux autres de parler de nous. Vous savez que les hommes qui parlent des autres hommes pourraient être un signe qu'ils ne sont pas avec le Seigneur. Parce qu'ils doivent savoir que Jésus ne permet pas que les autres s'expriment sur les uns et sur les autres. Il n'y a que lui qui peut dire, personne ne te ravira de ma main. La deuxième chose, sachons que son autorité divine nous gardera dans sa main. Autorité divine. Relisons notre passage. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Sachons que son autorité divine, l'autorité divine de Jésus, nous gardera dans sa main. Quand nous nous livrons à Dieu, en échange, comme mot de bienvenue dans la famille de Dieu, Jésus dit, je te donne la vie éternelle. Tu ne périras point. Personne ne pourra te ravir de ma main. Personne. C'est ce que Jésus te dit. Mon frère, ma soeur, avoir la foi veut dire croire à ça. Et Jésus a dit au verset 26, vous vous souvenez? Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Ces choses nous sont adressées pour que nous puissions les garder avec nous. L'apôtre Paul, quand il arrive à la fin de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Garder la foi veut dire garder ces choses que nous entendons comme vraies pour moi, pour toi. C'est ce que Paul a fait. Il a gardé la foi. Amen. Il a gardé la foi. Mon frère, ma soeur, garde la foi. Il n'y a aucun autre trésor que tu puisses trouver sur la terre qui dépasse la foi en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas ta concentration qui fera quelque chose.
Ce ne sont pas les éloges de tes amis ou de tes enfants qui feront quelque chose. Ce ne sont même pas les jugements de ceux qui ne t'aiment pas qui feront quelque chose. Mais c'est ce que tu sais, ce que tu as entendu de sa voix. C'est cela qui fait toute la différence. Lorsque notre frère qui se repose au ciel, Maurice Ray, a lu ces choses, à la fin, il a conclu par une phrase qui est devenue l'un des titres de ses nombreux livres. Échec à l'oppresseur. Échec. Personne ne peut te ravir de ma main. Et lui, il crie échec à l'oppresseur. Les démons ne peuvent pas te ravir de sa main. Les sorciers ne peuvent pas te ravir de sa main. Échec à tous les oppresseurs. Donc le fondement de la vie du chrétien, c'est le pouvoir de Dieu de nous garder sauvés. Il nous garde sauvés. Dieu est tout puissant pour nous garder sauvés par les moyens de l'évangile. C'est ça la clé d'avoir en toi, en moi, toute la plénitude de Dieu. Ça ne vient de nulle part ailleurs. Ça ne viendra pas des 40 jours de jeûne. Ça ne viendra de nulle part ailleurs. Quand tu as saisi tout ce que le Sauveur te donne pour ton salut, quand tu saisis cela, c'est cela la clé de toute la plénitude de Dieu. Lisons-le, Éphésiens chapitre 3, que dit la Bible? Éphésiens chapitre 3, les versets 19 et 20 nous disent « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que, connaître l'amour de Christ, c'est-à-dire l'amour qu'il a manifesté en mourant pour nous sur la croix, eh bien, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que, quoi? Vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Amen. Oui, quand vous connaissez l'amour de Christ, quand vous savez que vous avez perdu vos péchés, parce qu'il les a emportés. J'ai presque envie de dire quelque chose que vous ne voudrez pas que je dise. Je le mets de côté. Jésus est allé à la croix. À la croix, on doit y aller avec des péchés. Mais il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Vous avez compris? Il n'en avait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a pris récolte des péchés des hommes de l'histoire. Pas seulement de son quartier, ni de sa famille, mais de toute l'histoire, vous et moi concernés. Et il est allé mourir pour ça. C'est ça l'amour de Jésus. Maintenant, nous relisons le verset 19. Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que, quand vous connaissez cet amour, vous comprenez tout ce qu'il a fait en sorte que vous soyez, pas vous serez, mais vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Un serviteur de Dieu a visité la ville de Bruxelles. Un jeune serviteur de Dieu. Vous savez, dans les choses de Dieu, tu n'as pas besoin nécessairement d'y passer toutes les années. Même en quelques jours, en quelques mois, tu peux devenir un géant dans la foi. L'apôtre Paul l'a démontré. Charles Ndifon est venu à Bruxelles. Et moi, j'aime bien écouter un prédicateur. Quand quelqu'un est en train de prêcher, je découvre son esprit. Je découvre la grâce qu'il a reçue de Dieu. Je découvre ce qu'il a reçu et que peut-être moi, je n'ai pas reçu. Je découvre beaucoup de choses et j'apprécie la façon de Dieu de faire dans les vies de ses serviteurs.
Et quand j'ai écouté ce frère, je sentais que la facilité avec laquelle il disait des choses de Dieu avait un fondement caché. Qu'il avait une clé. Par exemple, je l'ai entendu dire très simplement, savez-vous pourquoi il est plus facile de ressusciter un mort que de guérir un ancien de l'Église? Et il donne directement la réponse. Parce que les morts ne discutent pas avec toi. L'ancien de l'Église va discuter théologie avec toi. Il va dire qu'il faut d'abord discerner pour voir si c'est dans le plan de Dieu que tu sois guéri. Mais les morts, lui, ne discutent pas parce qu'il n'est pas conscient. Alors c'est plus facile de les sortir de là. Alors j'étais surpris. J'ai dit, et pourtant c'est vrai, ce qu'il dit là. Mais alors, où est la clé? Je suis allé le voir à la fin de l'une de ses conférences en Suisse. Il a dit, écoute, tu sais que nous aurons une conférence en Belgique. Je serai là. Quand il est venu en Belgique, j'avais la responsabilité de loger des prédicateurs à gauche, à droite. Et je l'ai approché. Je lui ai demandé si c'était possible de le voir. Il m'a dit, mon frère, j'aimerais vraiment te voir. Mais la seule heure qu'il me reste pour recevoir quelqu'un, c'est à 4 heures du matin. Je lui ai dit, je viendrai. Et à 4 heures du matin, j'étais là en train de... Parce qu'on a déjà atteint à l'hôtel, on a déjà atteint toutes les lumières. Et j'étais là devant la porte en train de... Et j'ai entendu, tac! Il était là en train de m'attendre. Je suis entré. Il n'y avait pas de lumière parce qu'on ne savait pas où aller toucher pour allumer quand on a déjà tout éteint. Et on était là dans la pénombre. Et je lui ai dit, alors pourquoi tu voulais me voir, mon frère? Je lui ai dit, tes phrases, tes déclarations, quel est le secret? Et vous savez ce qu'il m'a donné comme réponse? L'affermissement. L'évangile. Quand tu comprends l'évangile, tu as toute la plénitude de Dieu. Et quand toute la plénitude de Dieu est là, tu deviens capable de faire des déclarations qu'on ne ferait pas autrement. C'est tout ce que j'ai utilisé pour résister 13 morts. C'est tout. Je n'ai pas jeûné, je n'ai pas fait ceci ou cela. J'ai tout simplement cru que Jésus me sauve, que je suis en relation avec lui, que je suis en communion avec lui, que alors il libère toute la plénitude de Dieu à moi. Et dès ce moment-là, j'ai commencé à croire que si vraiment Dieu est avec moi, tout doit être possible. Tout doit être possible. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. La grâce que nous avons d'écouter la parole telle qu'elle est dans la Bible, nous ne l'inventons pas, nous ne la modifions pas, ça ne sert à rien parce qu'elle est parfaite et sainte. Cette grâce que nous avons peut nous propulser très loin jusqu'à la stature parfaite de Christ. Parce que c'est ce qui est promis comme terminus du progrès spirituel, de la croissance spirituelle. Et ce pouvoir que Jésus a, qu'on peut appeler mérite, mais pouvoir qu'il a reçu à la croix, après qu'il ait offert son corps en sacrifice pour les péchés, le Père lui a donné. Il est en train de le dire, n'est-ce pas, dans le texte que nous étudions. Le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Parce qu'il a offert son corps en sacrifice pour les péchés des hommes. Tous ceux qui viennent à lui, le Père les lui a donnés. Nous sommes des hommes et des femmes donnés à Jésus par le Père céleste, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre, parce qu'il a pris notre place à la croix.
Si tu as compris ça, et si ça te concerne, dis Amen. Oui. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Bien aimé, ça dépasse. Ça dépasse toute la science imaginable de la connaissance. Ça dépasse tout cela. Et donc, ce pouvoir devient la garantie de nous garder sauvés. C'est ce que ce texte appelle la main de Dieu et la main de Jésus. Personne ne peut le ravir de ma main. Le pouvoir de nous garder sauvés, c'est ça qu'il appelle la main de Dieu. Quand tu es dans la main de Dieu, quand tu es dans le salut de Dieu, quand tu es sauvé, quand tu as reçu Jésus, tu es dans la main de Dieu, personne ne peut te ravir de la main de Jésus. Personne. Ni le diable, ni les sorciers, ni les démons, ni ceux qui t'aiment, ni ceux qui ne t'aiment pas. Personne. Ni les manipulateurs. Personne ne peut te ravir de la main de Jésus, moins encore de la main du Père. Nos bonnes œuvres, pour compenser nos mauvaises œuvres, ne peuvent pas non plus nous garder sauvés. Ne peuvent pas. Que faut-il dire? Jésus. Point final. Pas Jésus plus. Quand tu fais Jésus plus pour ton salut, tu tombes dans le judaïsme. La suite, c'est quoi? Vous avez appris, hein? Vous allez lapider l'évangile un jour. Jésus, point final. J'aime cette phrase que j'ai vue quand je me suis réveillé à l'intelligence pour comprendre les choses qui se tournaient autour de moi, mon père, ma mère, mes frères, et comme l'Église était impliquée. Quand j'ai commencé à lire, eh bien, l'une des premières phrases que j'ai lues, c'était en bordure de la table de la Sainte Cène qui était dans le temple. Yesukaka. 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 Jésus seul. Et quand je parle de Jésus seul, je ne suis pas en train de parler de ceux qui ont dit que Jésus était le Père. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ils ont suivi un homme qui a commencé son affaire en 1964, vers les années 1960. C'est celui-là qu'ils ont suivi. Ils se sont trompés. L'évangile n'a pas attendu 2000 ans pour qu'il soit expliqué. Ça a déjà été clair. Mon Père qui me les a donnés, parle-t-il de lui-même? S'il parle de lui-même, il ment. Mon Père, c'est Jésus qui dit, mon Père, s'il dit, mon Père qui me les a donnés, est-ce qu'il parle de lui-même? Non, il parle de quelqu'un d'autre. Quand il est en train de souffrir à la croix, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parle-t-il de lui-même? Bah, écoutez, pas plus compliqué que ça. Mais c'est le Père a dit, tu as fait le boulot. Toutes les âmes que tu as gagnées, mon Père qui me les a données, est plus grand que tous. Et il coopère avec son Fils pour nous garder sauvés. Quelle grâce. Quelle bénédiction. Donc, si quelqu'un veut croire Jésus plus quelque chose d'autre, tu tombes dans le judaïsme et un jour tu vas lapider Jésus ou ceux qui parlent comme lui, comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 10, le verset 31. Mes frères et sœurs, notez, s'il y avait un autre moyen de nous faire entrer au ciel sans la mort de Jésus, Dieu l'aurait pris. Il aurait pris ce moyen-là.
vous vous souvenez? Si tu peux, éloigne de moi cette coupe. Si tu peux éloigner de moi cette coupe. Jésus est en train de prier. Et il sait que son Père lui a toujours exaucé. Ce Père-là même qui l'a guidé à ressusciter des morts, à guérir les malades. Maintenant, il lui adresse une des dernières prières. Mon Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Alors certains ont dit, ah voilà, c'est contredit. Mais non, il ne s'est pas contredit. Dans la douleur de sa peine, il aurait bien voulu échapper à cette douleur. C'est l'humanité qui parle, l'humanité de Jésus, qui est 100% humain, qui parle. La douleur. Mais il sait en même temps que la volonté qui doit se faire n'est pas la volonté de son humanité, mais la volonté du Père. Et quelle est la volonté du Père? C'est le salut. C'est le salut. Bien-aimé, notez, Luc 19, 10, Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous savez, quand j'ai écrit cette phrase de Luc chapitre 19, verset 10, j'étais bouleversé. Bouleversé. Vous savez pourquoi? Je voulais dire. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, la loi y était déjà. Depuis plus de 2000 ans. Retenez bien cela. Quand Jésus est venu sur la terre pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, et je vais vous dire, ce n'était pas un tri. Quand la Bible dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ce n'est pas un tri du type, ah, celui-là est sauvé, pas de problème. Celui-là est sauvé, pas de problème. Ah, celui-là n'est pas sauvé. Il faut le sauver. Et ainsi de suite. Non. 100% perdu. Juifs, grecs, tous, sans exception, perdu. Je vous rappelle, la loi était là depuis plus de 2000 ans. Mais elle n'a sauvé personne. Mon frère, ma soeur. Maintenant, arrivons là où je suis arrivé. La loi qui n'a sauvé personne pendant plus de 2000 ans, toi tu veux compter sur elle pour te sauver aujourd'hui. C'est une loi qui n'a sauvé personne pendant plus de 2000 ans. Toi, tu veux t'y accrocher en 2023 pour qu'elle te sauve? Si tu entends un prédicateur, quelle que soit sa popularité, vous savez, Dieu ne s'intéresse pas à la popularité des gens. Quelle que soit sa popularité, si vous apprenez quelqu'un qui prêche des choses comme ça, il vous apprend à entrer dans la maison par la fenêtre. Je vous rappelle qu'il y a une porte qui s'appelle Jésus. Si la loi pouvait sauver des gens, Jésus n'allait pas venir, c'est clair. C'est clair, il n'allait pas venir. Pourquoi venir? Puisque la loi est déjà là. Mais la loi était là, elle était là, elle était là, elle était là, elle n'a sauvé personne. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez retourner à la chair. Parce que la loi, c'est la chair. Carrément. La dernière chose que nous allons partager, bien-aimés, c'est notre petite part. J'ai pris soin de mettre petite part pour notre salut. Notre petite part. Notre petite part.
Elle est toute petite parce que Jésus a tout fait. Amen. Oui. Vous savez, quand on t'a préparé la nourriture, tout est là. Quelle est ta petite part? Si c'est non, t'installer et consommer. C'est une petite part. Lisons 1 Pierre, chapitre 2. Que dit l'Écriture? Pierre chapitre 2, le verset 24 nous dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Bien-aimé, notre salut d'office ouvre la porte à la mise à mort du péché dans notre vie, d'office. Quand tu reçois Jésus, tu deviens enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, vous tous qui avez expérimenté le salut, une des choses qui a attiré votre attention, c'est la perte du goût de certaines choses. Automatiquement, ces choses ont perdu de goût. Et j'ai vu ça dans le domaine de la cigarette, mes frères. J'étais lié à la cigarette. Oh, au fait, je ne pouvais pas m'imaginer un jour qui passe sans avoir tiré 2, 3, 4, 5 cigarettes. Et puis, le salut tombe sur moi. C'est comme si quand le salut est tombé, ça grillait la cigarette. Il y a des choses qui partent d'elles-mêmes. Réactionnaire. Comme je n'étais pas fort au commencement de ma vie, même le plus petit, quand il me frappait, je me mettais à pleurer. Et mes grands frères étaient fâchés. Tu es plus grand que lui. Et tu te laisses taper comme ça. Et j'ai commencé à faire fonctionner l'intelligence. Pour dire, qu'est-ce que je vais faire pour régler cette affaire d'être tapé par tout le monde? C'est comme ça que je me suis livré à des sports de violence. Je fais la boxe, je fais le karaté. Et la peur a changé de camp. Merci Seigneur. Mais bon, enfin, s'il faut dire merci Seigneur. Mais quand l'évangile est tombé sur moi, il y a eu une révolution totale. Les choses ont totalement changé. Pourquoi? Parce que quelqu'un a porté nos fardeaux sur lui. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande alors d'avoir? Quelle est notre petite part? Numéro 1, avoir la bonne mémoire. Que quelqu'un dise bonne mémoire. Ah oui, tout simplement, souviens-toi, n'oublie pas, souviens-toi. Avoir la bonne mémoire que celui entre la main de laquelle nous sommes placés ne nous laissera jamais tomber. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est lui entre la main de laquelle nos vies sont placées et de laquelle main personne ne peut ravir nos vies. Eh bien, bien-aimé, celui-là a promis, je ne te laisserai jamais tomber. Jamais. Alors, au grand jamais. Il a dit, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Deux choses en gros. Première chose, entendre sa voix comme mode de vie. Entendre la voix de Jésus. C'est ce qui se fait maintenant. Tu es en train d'entendre sa voix. C'est la raison pour laquelle tu peux sentir toi-même que Dieu vraiment t'a parlé. Il t'a édifié, il t'a construit. Il t'a dit des choses dont tu as vraiment besoin. Tu dois entendre la voix de... Ce n'est pas simplement le fait d'être concentré et puis entendre une voix intérieure. Non, non, non. La voix de Jésus est ouverte, est disponible. Mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. Il faut entendre sa voix. Sa voix qui dit, venez, avançons, arrêtez.
Entrez, agissez, donnez-vous, priez, ainsi de suite. C'est ça la voix de Jésus. La voix de Jésus qui sonne dans les évangiles, qui a été commentée dans les épîtres. La voix de Jésus parle, parle, parle. C'est une, les choses, les cieux et la terre peuvent passer, mais les paroles que Jésus a dites au premier siècle ne passent pas. Ce sont des paroles qui ne passent pas. Elles ne passent pas, mes frères et sœurs. Elles ne passent pas. Jamais. Elles sont là. La parole, celui qui écoute ma voix, écoute ma voix. Écoute ma voix, écoute ma voix. Voilà. Et vous savez comment ça se termine quand on écoute la voix? On écoute, on prie. On écoute, on prie. On écoute, on prie. Pourquoi prier chaque fois qu'on a écouté? C'est pour faire le point avec celui qui t'a parlé. Afin que tu sois ouvert aux autres choses qu'il va dire dans la suite. Tu écoutes, tu pries. Tu écoutes, tu pries. Tu écoutes, tu pries. Mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Suivre, c'est tout simplement imiter. C'est tout simplement que ferait Jésus à ma place. Suivre Jésus. Suivre Jésus. Pas suivre Moïse, mais Jésus. Mais où est la différence entre Moïse et Jésus? Elle est claire. Moïse, c'est la loi. Jésus, c'est le fruit de l'esprit. Vous avez remarqué? C'est clair. La différence est nette. Pour voir très bien cette différence, lisons Matthieu, chapitre 22. Matthieu, au chapitre 22, le verset 38 à 40, l'Écriture dit, on peut commencer par le verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et maintenant, notez sa conclusion au verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Maintenant, vous comprenez pourquoi on ne court pas après la loi? Parce que nous avons les fruits. Et nous savons tous, quand nous lisons dans Galates chapitre 5, le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Amen. Et de ce fruit-là dépendent toutes les lois. En d'autres termes, quand tu tiens l'amour de Dieu avec toi, toutes les lois sont accomplies. Tu ne déroberas point, tu ne tueras point, tu ne brûleras point. Tous ces points, points-là sont accomplis. Quand tu détiens l'amour de Christ. Et comme nous le savons, c'est un fruit de l'esprit. Moïse, c'est la loi. Jésus, c'est le fruit. Quand tu es disciple de Jésus, tu tiens quoi? Le fruit. Pas la loi. La loi, non. C'est le fruit de l'esprit. Parce que voyez-vous, mes frères et sœurs, notez bien ceci, comprenez bien ceci. Parce que la science biblique est un peu difficile parfois, quand on n'a pas pris le temps d'aller un peu plus loin. Vous savez que, comment le dire? Au fait, parlons de la loi. Savez-vous que la loi est tellement diversifiée et détaillée que nous qui sommes parvenus au Seigneur, pour finir, nous avons nos propres listes. Pas la liste de la Bible. Les jours où tu veux avoir la liste de la Bible, tu seras peut-être découragé. Elle est longue.
La loi, dans la Bible, longue, la liste. Il y a des livres tout entiers qui sont consacrés. Si tu as envie de faire une bonne étude là, allez-y, je t'encourage. Exode et pour plus, Lévitique. Prenez ces deux livres-là. Rien que ces deux livres-là. Exode et Lévitique, allez-y. Et notez chaque fois sur la liste. Vous verrez que vous allez, à un moment donné, vous aurez 400. Comment tu vas mettre en pratique ce que tu ne connais même pas? Jésus résume tout dans l'amour. Quand l'amour de Christ nous habite au centre de nos cœurs, parce que lorsque nous avons bénéficié de cet amour, lui qui a pris notre place à la croix, cet amour de Christ est devenu d'office contagieux. Il est entré dans nos cœurs. Et parce que nous avons cet amour en nous, c'est un amour qui nous garde saints. C'est la raison pour laquelle, nul doute, quand tu te donnes totalement à Christ, tu seras plus saint que tous ceux qui prêchent la crainte de Dieu du matin au soir. Et qui après, quand ils se mettent à se chamailler, ils se cachent pour qu'on ne voit pas qu'ils n'ont pas accompli toute la loi qu'ils prêchent. Galates chapitre 5, je termine par là. Galates chapitre 5. Le verset 14, l'Écriture nous dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Alors, remarquez que j'ai quand même un professeur, Paul. Tout à l'heure, nous avons lu Jésus, dans Jean 10, que les deux... La loi et les prophètes sont accomplis dans cette seule parole, l'amour. Tu aimeras, tu aimeras, tu aimeras. Et maintenant l'apôtre Paul, à son tour, qui est fidèle à son maître Jésus, dans son livre Galates, il écrit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Vous savez, notre besoin, finalement, c'est quoi? C'est la croissance. Croître dans la compréhension et l'application de ces choses. Tu dois grandir. Parce que si la Bible dit que si tu es vraiment brebis de Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh bien, ça fait toute la différence, mes frères et sœurs. Ta manière de te comporter, tu ne pourras plus jamais te réjouir de la souffrance de ton frère ou de ta sœur. Même pas un petit penchant de satisfaction. J'ai participé à une réunion de réconciliation quelque part dans le monde. Et quand finalement l'Esprit de Dieu a touché les cœurs, les frères ont commencé à confesser. J'ai entendu un frère dire, je demande pardon à Dieu parce que quand le mal est arrivé à mon frère que je n'aimais plus, il y avait comme une sorte de joie qui était dans mon cœur. Quand j'ai trouvé quelque part, on parlait en mal de lui, je m'associais pour faire la même chose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. As-tu progressé? Nous devons aller parce qu'on est en train de monter. Donc notre besoin n'est pas d'éviter l'enfer, mais plutôt de monter vers la ressemblance. Le travail des chrétiens, mes frères et sœurs, n'est pas d'éviter les désobéissances, mais plutôt de monter vers la ressemblance de Jésus. C'est ça, comme on dit, le couloir, la carrière qui est tracée devant nous. C'est d'aller vers la ressemblance de Jésus.
Si tu en es encore au rudiment du type « Ah, j'ai menti, ah, j'ai volé, ah, j'ai. » Il se pourrait que tu n'aies même pas encore commencé la course chrétienne. En ce moment-là, tu as besoin de placer ta main, ton cœur, ta vie dans la main de Jésus. Et que tu reçoives de lui cette parole. Personne ne peut te ravir de ma main. Personne ne nous ravira de la main de Jésus. Personne ne me ravira de la main de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Maître du ciel et de la terre, le trésor est arrivé à destination. Donne les réflexes, donne le courage, donne l'engagement, donne la grâce, donne la lumière, donne la force, donne l'engagement à chacun et à chacune de rendre ces choses réelles au plus profond de notre être. Oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Car tu as promis, personne ne peut nous ravir de ta main. Oh, que nous savons que tu es fidèle à tes promesses, Jésus. Tu as promis au Père de venir mourir pour nous, tu l'as fait. Tu promets de nous garder sauvés. Certainement, tu le fais et tu le feras encore. Tu as promis d'aller nous préparer une place auprès de ton Père au ciel. Certainement, ça s'accomplira. Et nous en serons les uns et les autres témoins lorsque le temps de l'envol, du grand envol, s'accomplira. Et nous nous retrouverons là-bas. Et nous n'aurons même pas besoin ni le temps de te poser la question. Et où sont les places que tu es venu préparer pour nous? Parce que l'escorte aura tout accompli et tout réalisé. Et nous serons là pour entrer dans l'éternité pour toujours. Jubilant dans la joie du Seigneur d'éternité en éternité. Ô Dieu vivant, quelle grâce de connaître le Sauveur que tu nous as donné. Jésus-Christ, nous acceptons que tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi que nous allons suivre. Nous aimons bien Moïse. S'il est enfant de Dieu, nous passerons l'éternité ensemble. Mais suivre, c'est toi, Jésus, que nous devons suivre. Règne sur nos cœurs et accorde à chacun de nous tous la grâce de placer son cœur, sa vie, tout ce qui est à lui dans la main de Jésus. Mon frère, ma sœur, je donne une occasion maintenant. Tu te dis dans ton cœur, maintenant, moi, je veux placer ma main, mon cœur, ma vie dans la main de Jésus, là où personne ne pourra me ravir. Si tel est vraiment le désir de ton cœur, tu peux juste l'exprimer en levant la main de là où tu es. Et quand je vais poursuivre la prière, prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Eh bien, livrez votre vie. Lâche, ne retiens rien. Donne, dis-lui, Seigneur, je te donne tout. Parce que je veux loger dans ta main. Je veux résider dans ta main. Ma résidence, désormais, c'est ta main. C'est là-dedans que je m'installe. Je me sépare de tout le reste. Parce que tu as pris mes péchés à la croix, je le crois. Eh bien, maintenant, ta main est ma résidence. Je m'installe dedans. Car là, je suis en sécurité. Sécurité de Jésus, sécurité du Père. Alléluia. Dites-le lui, de tout votre cœur. Je me place dans ta main. Je me livre à toi. Je t'offre tout de moi, ma volonté, mes pensées, mes désirs, mes préférences, tout ce que je pense, je me livre à toi. Je m'installe, je réside dans le creux de ta main. Alléluia. Désormais, ma résidence, c'est le fond de ta main. Je m'installe dedans pour toujours. Garde-moi, ô Jésus. Aide-moi dans mon incrédulité. Je ne veux plus me sentir hors de ta main. Je m'installe à tout jamais. Saisis-moi, Jésus. Saisis-moi. Prends-moi.
Prends-moi, Seigneur, car c'est moi-même qui me livre à toi. Prends-moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, merci pour ta parole que tu envoies dans le cœur des brebis qui vont désormais continuer à entendre ta voix et continuer de te suivre. Amen.